Sa mère voulait attendre et la marier. Son père voulait la pendre ou la noyer. Un seul enfant par foyer. Il voulait un garçon, mais sa connasse de femme a fait le taf qu'à moitié. À la campagne, on a besoin d'hommes forts pour travailler. Pas d'une bouche à nourrir, pas d'une pisseuse bonne qu'à chialer. C'est presque impossible de vivre à trois. Une fille unique, c'est perdre son nom de famille. C'est la honte pour un villageois. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'un déchet humain? Lui éclater le crâne entre deux pierres, l'enterrer à côté du chien. Il partit emprunter une pelle chez son voisin. Mais son voisin lui dit d'attendre. Il lui dit qu'il pourrait la vendre. Et la chance leur sourit. Un marchand leur proposa d'acheter l'enfant pour la vendre à des touristes. Ils l'ont lâché pour environ un tiers de SMIC français. Le soir de son départ, mélancolique, sa mère chantait. Elle chantait. Douze ans plus tard, la jeune fille dort tranquillement chez son hôte. Son réveil, c'est un grand coup de pied dans les côtes. Son petit-déj, c'est du pain à la vapeur et de l'eau. Puis direction la salle des machines pour rejoindre les autres. Comme elle s'est jamais faite adopter par de riches occidentaux. Son propriétaire l'a élevée, l'a gardée sous le manteau. Neuf dans le même endroit, sa chambre, une caisse en bois. À 8 ans, elle a décroché son premier emploi. Une sorte de garderie où on fabrique des shorts de foot. Avec ses mains en forme de pied à force de coudre. Avec sa colonne vertébrale en forme de voûte. 20 minutes de pause déjeuner, un peu de riz, un bol de soupe. Interdiction de parler, à peine le droit de faire des gestes. Elle doit garder la tête baissée pour s'adresser à ses chefs. Le bruit la hante au point qu'elle n'entend plus quand il s'arrête. Pour pas sombrer dans la folie, elle chante cette chanson dans sa tête. Elle chantait. Retour dans son village natal après 10 années, en quête d'un cocon familial, à la recherche de son passé. Finalement, son maître lui a appris qui elle était vraiment, juste avant qu'il aille finir sa vie dans les geôles du gouvernement. Son usine s'était faite démanteler discrètement, la presse n'étant pas autorisée à couvrir l'événement. Bref, la plupart des gens du village avaient levé le camp, parti loin, ouvrir des restaurants ou divers magasins de vêtements. Pour les rejoindre, elle traversa des océans, frôla la mort, laissant son destin voguer au gré des vents. Sans personne, sans argent, sans carte d'identité. De façon, elle avait même pas de nom, à part la mendiante bridée. Après avoir contracté presque toutes les maladies, elle atterrit miraculeusement à Paris. Je rentrais chez moi après le travail à la tombée de la nuit. Quand nos regards se sont croisés, elle s'est approchée et m'a dit: Excusez-moi, monsieur. Porte-clés, 2 euros. Non, désolé, j'ai rien sur moi. Bonne soirée. Et je l'entends encore chanter. Elle chantait. Elle chantait.